Comment faire bouger ton défenseur? C'est bien de dribbler en statique pour se construire de bonnes bases. Maintenant, sur le terrain, c'est pas ça qui va te permettre de contrôler ton défenseur. On a la mauvaise tendance à assimiler le dribble uniquement au fait de guider la balle. Alors qu'en réalité, le placement de tout le reste du corps pendant le dribble est tout aussi, voire plus important. Voici donc un exercice pour travailler cette partie du dribble beaucoup trop négligée. Pour commencer, on va se mettre en position de drive et le but, ça va être de mimer un départ. Sans avoir les pieds qui quittent le sol, sur cet exercice, il faut vraiment que tu ailles chercher loin, avec ton corps, et pas avec le dribble. Perfectionne tes feintes grâce à cet exercice et tu vas apprendre petit à petit